La vie est comme une vague. Il s'appuie jusqu'à ce qu'elle se déferme où il atteint son maximum de sensations. L'aventure de votre vie. Et après ce qui semble comme une seconde, c'est fini. Je me souviens du temps juste avant le sommet, avant je suis tombée sur la rive. Tout était beau, de la façon dont le vent peut changer les émotions de quelqu'un, jusqu'au prix d'un enfant. Tout le monde m'a toujours dit de grandir, mais quand je le pense, l'innocence est aussi belle que la première vague d'une nouvelle enflure. Je me souviens des jeux, j'adorais les jeux. Tous les types de jeux, je pouvais jouer pendant des heures parce que je pensais que j'étais courageuse. Quelque chose d'aussi simple que le poisson rouge. J'aimais aussi jouer dans la boue, jusque pour se le sentir entre mes doigts. Maintenant, c'est qu'un rêve distant, et un qui manie. Mais bien sûr, j'avais peur, pas des clowns ou la plus irrationnelle des choses, mais le noir. C'est ce qu'il peut faire à l'esprit de quelqu'un, c'est incroyable. Tout change quand les lumières s'éteignent, comme il le faisait pour moi. L'optimisme est ce qui contrôlait ma vie. Et maintenant, c'est impossible de voir la lumière. Parce qu'alors, c'est arrivé. Quelque chose incontrôlable. Il m'a trouvé et je ne pouvais pas courir. Je savais que ma peur du noir n'était pas irrationnelle. J'aurais dû poursuivre mon but, rester en dehors du noir et de ne jamais retourner. Mais il était trop tard. Rien n'était plus belle. Quand j'ai regardé un papillon battant ses ailes, tout ce que je voyais, c'est que c'est un nombre d'heures jusqu'à sa mort. Tout était faux et je ne pouvais pas voir les choses différemment. J'ai été pris dans le courant et je ne sortirai jamais.